Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2018 et surtout la santé, que tous vos projets se réalisent. Voilà, très bonne année à tout le monde. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo produit terminée. Alors, on commence. Un gel douche Yves Rocher Mangue Coriandre. Bain douche énergisant. Alors, j'ai bien aimé l'odeur. C'est très frais comme odeur. J'ai beaucoup aimé ce gel douche. J'ai fini des patchs purifiants fraîcheur tout type de peau de Nivea que je rachète tout le temps. Ils sont très efficaces. Enlève les points noirs. J'ai terminé Palmolive Hygiène Plus Family Gel Lavant pour les mains à l'extrait naturel de Propolis. Voilà, bon gel lavant pour les mains. J'ai terminé un shampoing à l'argan, cheveux normaux de Lovea Nature. L'odeur, j'ai bien aimé l'odeur, par contre, c'est un gel assez épais. C'est assez épais, ça a du mal à sortir. Là, j'ai pas trop aimé la texture. Je rachète pas. J'ai terminé un dentifrice Vademecum Fleurs et Plantes, comme ceci. Voilà. J'ai terminé un shampoing douceur et brillance au lait d'amande douce et à la fleur d'oranger de Nectar of Beauty. J'ai bien aimé ce shampoing, il sent bon, il avait bien les cheveux. Je rachèterai. J'ai terminé un énorme bidon d'un litre Emmanuel gel douche à l'argan satinant, voilà comme ceci. L'odeur, elle est très douce. Voilà, ça avait une odeur d'argan très douce. Bon gel douche. La mousse, elle était fine. Ça mousse pas tellement, mais bon, ça lave bien. J'ai bien aimé. J'ai terminé un shampoing à la banane de The Body Shop. J'ai bien aimé l'odeur. L'odeur de banane. Je rachèterai. J'ai bien aimé ce shampoing. J'ai terminé de Visiplic Clear Gel Nettoyant Exfoliant en Pamplemousse Rose de Neutrogena. J'ai pas trouvé l'odeur. L'odeur me dérangeait un peu, mais sinon c'est un bon gel nettoyant. J'ai terminé un gel douche et bain moussant caramel ensoleillé d'énergie fruits. Voilà, comme ceci. Il sentait bon le caramel, j'ai bien aimé mon gel douche. J'ai terminé un gel pour les mains à la fleur de coton crème lavante main de Sephora. Un peu smooth pour les mains. L'odeur était très agréable. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai terminé un autre dentifrice Vademecum Blancheur et Plantes. Voilà mon dentifrice. J'ai terminé un gel douche Margarita de Lovea Nature. Donc pareil, la texture, j'aime pas trop la texture, c'est gélifié. L'odeur, je n'ai pas tellement aimé, je rachèterai pas. J'ai terminé une lotion nettoyante Visible Clear Désincrustant Point Noir de Neutrogena. Alors ça contenait de l'alcool, hein. Il y a beaucoup d'alcool. Ça sent l'alcool, je rachèterai pas, j'ai pas trop aimé. Un shampoing purifiant cheveux gras d'Yves Rocher à l'ortie. Donc celui-là, je l'avais déjà utilisé, je l'ai racheté. Il sent bon, j'aime beaucoup ce shampoing, il est efficace. J'ai terminé un gel douche tonifiant à l'extrait de fleur d'oranger et aloe vera bois d'orange de Roger Gallet. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Bon, j'arrive pas à. Et si j'aime beaucoup l'odeur, je rachèterai. J'ai fini un autre dentifrice Vademecum Blancheur et Plantes. Voilà, c'est mon dentifrice. J'ai terminé un shampoing extra doux à l'extrait d'amande douce Bio de Provence de Nature et Moi.
J'aime bien l'odeur, nettoie bien les cheveux. Douceur et brillance, cheveux normaux, voilà, shampoing extra doux naturellement. Je rachèterai. J'ai terminé un masque purifiant peau mixte et grasse de Nocibé. Alors ce masque il me picotait un peu la peau. Moi je l'ai quand même fini, mais je rachèterai pas parce qu'il me piquait un peu la peau. J'ai terminé de Mixa soin très hydratant anti-imperfection 2 en 1. Réduit bouton, pore brillance, réhydrate intensément, peau sensible, imperfection. J'ai bien aimé cette petite crème, mais bon, il y en a d'autres à tester. Donc celle-ci, je la rachèterai pas. J'ai terminé une petite crème fraîche de beauté, crème hydratante et apaisante 24 heures de Nuxe. J'ai bien aimé trouver une petite crème hydratante. Pourquoi pas la racheter? Voilà. J'ai terminé mon gel d'aloe vera pur de pur aloe. Mon gel aloe vera pur aloe, voilà, j'ai terminé. J'utilise le soir en combinant avec une huile. J'ai terminé de The Body Shop l'huile d'arbre à thé. Voilà, mais bon, je ne rachèterai pas quand j'ai un petit bouton, ça marche bien. De Sephora, le masque nuit au ginseng de Sephora. Voilà, terminé. Mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé un mascara de Nocibé qui était dans une palette. Voilà, il est terminé. Mais bon, je ne rachèterai pas. Donc voilà, donc c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous avez comme produit, etc. Voilà, donc je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.